Je clique. Je clique. C'est bon. Épisode 5. On est reparti. Pour une aventure pleine d'ambiance. Sammy Janox, c'est une possibilité à prendre en compte. Mais en même temps, la dyslexie. J'ai une excuse. La dyslexie. On a des excuses. On a des excuses. Mélissa, c'est qui Mélissa déjà? Me dis pas que c'est la jeune fille. Ah non, c'est bon. Oula, trouve un indice pour savoir où se trouve Bella Monroe. Inspecter les alentours depuis le... Oh non, j'ai pas le temps. Bon, ok. Feu de détresse. Une fois allumés, ils peuvent attirer l'attention des chimitos à proximité. Quand ils sont utilisés dans un endroit confiné, ils le remplissent de fumée, ce qui vous permet de vous faufiler sans être repéré. Il y a plein de systèmes de gameplay là, ça me rajoute des couches et des couches. Ok, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Donc déjà, je suis pas la gamine. Ça c'est une bonne nouvelle, je ne suis pas... Ah attends, il faut voir. Inspecter les alentours depuis le toit, se faufiler dans l'hôpital. Inspecter les alentours depuis le toit. Comment je monte sur le toit? Je peux pas ouvrir ici? Ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, cette porte ne s'ouvrira pas. Ça y est, j'ai mangé du chocolat, j'ai repris les forces, là on est reparti. Mais oui, mais évidemment Wakuma, c'est une ruse. C'est une ruse. Les gens ne sont pas... Ne sont pas crédules. Les gens ont vu. Les gens ont vu dans mon jeu. C'est tout ça pour camoufler le fait que je sois pas très doué. Ah c'est bon. Il est toujours bon de trouver des excuses. Bientôt je vais écrire un livre. Les excuses de Coléo. La collection. Les meilleures excuses de Coléo. Ah on pourrait faire ça. Ah, les bonnes idées. Un génie. Ça y est, il y a des ennemis à la Silent Hill. Des ennemis bizarres. En fait, il faut pas que je me prenne la tête dans le jeu. Il faut juste que je suive ce qu'on me dit de faire. Inspecter les alentours. Trouver un indice pour savoir... Ok. Bon déjà ça sauvegarde. Il suffit de voir les jeux proposés sur le stream pour se rendre compte que l'on est un génie du mal assumé. En plus je fais pas exprès. Je me dis on va jouer à Deadly Prémonition. Bon, c'est de la merde. Ça passe. Je me dis on va jouer à Catherine. Bon, je mongolise à l'infini. Ça passe. Puis j'ai envie de jouer à Siren. Puis final c'est mitigé. Mais ça passe. Bloquer la porte, non. Je pense que... Ah non. Pour enfoncer les clous, je pense qu'il faudrait... Non. Il faudrait relancer les Zelda. Les Zelda nous manque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que j'ai une arme? Non, j'ai pas d'arme. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là. En fait, je joue au jeu de façon trop... trop offensive. Je prends pas le jeu... Comment ça, j'ai pas fini? Non mais Zelda, on a fini. Mais j'ai envie de relancer Zelda en mode expert. Non mais je l'ai fini plein de fois, c'est ça le pire. C'est que je l'ai même fini plusieurs fois, le jeu. Mais j'y peux rien si c'est le meilleur jeu du monde aussi. Moi, qu'est-ce que j'y peux? Je suis censé aller où, là? Ça, c'est une question intéressante. Ah, je suis censé aller tout en haut. Ah, mais il faut que je monte. Ok. On va monter.
On va monter. Elle m'a vu ? Elle m'a vu. Ah, trouve. Ah, évidemment, ça aurait été trop simple. Si seulement ça avait été ouvert. Trouver la clé. Ok. Non, c'est fermé. Donc là déjà. Ah, il faut que je redescende, t'es sérieux ? Attends, je suis où, moi ? Oh, cette carte ! Cette carte du mal. Du coup, il faut que je redescende de 2 étages. Ok, c'est noté. Où est l'escalier ? Hier. Donc, j'ai redescendu un étage. Je redescends un 2e étage. On fait ça. Ah ! Je suis où ? Ok, je finis tout. Ferme la porte, tu peux pas fermer la porte ? Qu'est-ce qui m'attaque ? Mais d'où tu sors ? Mais d'où sort ce truc ? Il m'a fait paniquer. Mais pourquoi on peut pas fermer cette putain de porte ? Mais cassez-vous, monsieur ! Il aura suivi. On l'a vibré. Cassez-vous ! Oh putain, ça y est. Le malheur ! Le malheur, qu'est-ce qu'on fait ? Trouver. Du coup, je sais pas où il m'a ramené là. Ah, il faut que je redescende. Donc je redescends. Un étage. Deux étages. Et là, on a dit qu'il devait. C'est où déjà, on m'a dit ? Ah oui, c'est là-bas. Donc je vais là, et là il y a un ennemi. Donc là on fait attention. Il y a un ennemi ici même. Ah, il est là, ok. Ok, d'accord, il était là. Au plafond, vite. Où est-ce que je peux me cacher ? Je peux pas me cacher là ? Non, je peux pas. Mais referme la porte, fais un truc ! Mais meuf aussi ! Oh, elle fait pas d'effort ! Comment tu veux que je fasse ? Bloquer la porte, putain ! C'est bon. Il faut rester appuyé ? Non ? C'est bloqué ? Ah, il faut rester appuyé. Est-ce que du coup il m'a laissé ? Ah, c'est pas clair le jeu. J'ai aucune idée. Bon, on va dire que c'est bon. Je prends les... Ça sauvegarde. Donc on part du principe qu'il est toujours derrière. On part du principe qu'il est là à m'attendre. Pour me croquer. Je me gratte. Pour nous croquer. Bon, j'ouvre la porte. Je prends le risque. Il est plus là. Ou alors il est... Si, il est là. Il est là, le petit bâtard. Bah oui, mais au bout d'un moment... Oh là 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 là. On se casse, vite. Vite. Je me casse. Putain, je joue au jeu pas du tout comme on devrait jouer. Moi, je suis... Putain, hey, tu sais Wakuma que je m'en souviens ? Putain, j'aimais beaucoup. Tu sais ce qu'il est devenu ? Un des meilleurs. Je l'aime beaucoup. Oui, mais non, je suis pas allé là où il fallait, là. Je me suis paumé en cours de route, là. Non, pour le coup, je sais pas du tout. Tu vois, il y a encore des gens... qui sont sur Twitch de cette époque. Mais Sprite, je sais pas du tout Sprite Coca ce qu'il est devenu.
Et il faisait partie de ces gens que j'aimais beaucoup. Mais tellement! Putain, je m'en souviens. Oh, ça me donne envie d'aller rejeter un œil. Je sais pas si elles y sont toujours. Oh, il les a supprimés! Non! Ah, c'est dommage! Dans ce moment-là, je me dis que je devrais pas les supprimer moi non plus. Putain, c'est dommage, il les a supprimés. Putain, je me souviens de ça, oh là là. C'est ouf, hein. Ah, il a tout viré. Ah, ça, c'est dommage. Je peux comprendre. Je comprends complètement le fait de tout virer. Mais c'est dommage pour le coup. Fait, là. Ah, je dois aller là, c'est ça. Bien vu, Sherlock. Sam. Resident Evil 5, je me souviens pas. Sam. Je me souviens de Mirage. Avertir Sam. Vérifier numéro de chambre. Je sais pas s'il a créé une chaîne YouTube à une époque. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui, à cette époque de transition, avaient créé une chaîne YouTube. Peut-être qu'il reste encore des choses sur YouTube. J'en ai aucune idée. Vérifier numéro de chambre. Téléphoner depuis le salle. Depuis la salle de préparation. Ok. Attends. Il faut que je descende. En tout cas, il faut que je redescende. Quoi qu'il arrive, il faut que je redescende. Je dois me casser. Je suis pas sûr, là. Non, c'est fermé. Ok. Ok. Donc là, je peux pas. Oh putain, cette carte! Oh là là! Mais c'est vraiment pénible! Aïe 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 aïe! C'est pénible! Bon, ça c'est bon signe. C'est bon signe! Petite cinématique, une petite cutscene pour nous dire qu'on fait des trucs, c'est bon signe. Là, le souci de ça. C'est qu'on est dans le classique pur et dur du... Oh là là, c'est dégueulasse! Ok, c'est dégueulasse. De l'hôpital, c'est ce que j'allais dire. Le classique pur et dur de l'hôpital dans le survival, ça fait un peu déjà vu. Surtout quand t'as joué à Silent Hill, c'est problématique. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Rien à foutre ici. Oui, non, mais en fait, je voulais descendre. Attends, est-ce que je peux rentrer ici? Oui, non, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais? On se casse. On s'en va. On se tire. Je descends d'ici. Ok. Je
Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, y a un... Mais je suis déjà venu ici. Ah mais oui, j'étais venu là avec la jeune fille, avec la petite fille. J'étais déjà venu là, je me souviens. Je me souviens. Non mais déjà Dazer, tu fais bien déjà Dazer. Ah oui, c'est un truc que j'ai dit, mais que j'ai oublié d'en parler quand on était beaucoup. Du coup, je le dis quand il y a personne. Du coup, c'est inutile. Mais n'hésitez pas. Ah oui. Putain. Sur la liste, on peut mentionner des commentaires, des machins. Donc sur la liste des jeux proposés, s'il y a un jeu proposé qui réellement pour vous mérite d'être fait, par exemple Catherine, parce que plusieurs d'entre vous m'avaient dit ah. De le faire, n'hésitez pas à me dire, ça c'est validé, fais-le, vas-y. Du coup, moi ça m'indique. Ça me donne des pistes. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je crève direct. Mais Dazer, n'hésite pas à me dire ce que tu valides et ce que tu valides pas dans la liste. Du coup, moi ça, c'est pareil, ça me donne des pistes. Après, j'en fais ce que je veux, mais ça me donne des pistes. Au final, je joue juste à ce que j'ai envie contre vents et marées. Mais au moins, on a des idées. Des fois, on évite des erreurs bêtes. Mais je suis revenu où? Ah, oh, c'est pas clair du tout. Je suis... Je dois redescendre, c'est ça? Ah oui, je dois redescendre. Ah putain, on doit redescendre. Ok, c'est ça. C'est liste 1, Wakuma. C'est point d'exclamation liste 1. Ah ça, j'aurais pas dû faire deux listes, parce que du coup, ça perturbe. Parce qu'il y a la liste des jeux proposés et celle des jeux terminés. Ça, c'était pas opti non plus. J'aurais dû virer les jeux... Il y a des jeux de la liste que j'aurais dû virer aussi. Les jeux qui sont là pour le troll, j'aurais dû les virer et pas les laisser. Aïe 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 aïe. Non. Non. Oui mais c'est casse-couille, je vais crever. Ah putain. Il y a deux ennemis. Il y a deux ennemis. C'est pareil, les gens le voient pas forcément, mais sur la liste des jeux proposés, il y a des onglets, il y a des listes des jeux que je possède, notamment sur PS3, je sais pas, j'ai pas tout fait parce que j'ai pas eu le temps, mais il y a genre PS3, d'ailleurs il y avait Siren je crois, je sais plus si je l'ai mis dans la liste. Des jeux que je possède et auxquels j'ai pas joué. Elle est pas à jour, la liste a pas été mise à jour, mais si dans cette liste vous voyez des trucs, n'hésitez pas à le noter. À me dire, tiens, ça c'est intéressant, joue-y. Je crois que j'ai la liste des jeux Xbox 1 du coup. Je sais plus. Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Bon là par contre... Comment je suis censé esquiver? Ou juste j'attends qu'ils fassent leur vie. Il y en a un au plafond là, on est d'accord? Oui, il y en a un. Il m'a vu? Je crois qu'il m'a vu le petit gâteau. Cassez-vous! Je me casse! Ils sont plus... Oh, ils sont pleins! Je m'hydrate avec cette chaleur, après j'ai tout de suite envie de faire pipi. On s'hydrate. Ok. Ah non, il est là!
il m'a fait flipper. Oh, mais du coup, il est reparti là où je voulais pas qu'il reparte. Oh. Ah, ils sont tous les deux là. Du coup, moi, je suis baisé. Ils sont là tous les deux, je suis baisé. C'est casse-couille. Ah, mais j'aurais peut-être dû aller là-bas avant que je suis bête. Attends. J'ai pas moyen d'aller là-bas. Ah, mais non, mais je peux pas. Ah, mais non, je suis bloqué. Ah, il faut que je vois. Attends, je me casse d'ici. Je me casse d'ici, j'ai une idée. Où est mon escalier? Putain, ils m'ont suivi, les petits bâtards! Oh! Je suis où? Je suis où? Je me casse, je me casse, je me casse. Est-ce qu'ils me suivent loin? Est-ce qu'ils me suivent longtemps? Non, j'ai pas l'impression. Oui, c'est là-bas où je dois aller, attends. Oui, c'est ça, attends, je vais aller trop loin, là. Cassez-vous, cassez-vous. Ah oui, mais je peux pas, c'est fermé. J'y suis déjà allé tout à l'heure. Non, c'est pas ça? Je me suis fait baiser, c'est ça? Ah, je suis baisé. Non! Mais cassez-vous, j'ai pas d'armes ni rien. Oh! Ah bah, super. Je vais crever. Ah, c'est ouvert là! Putain, je m'étais dit, on va faire ça. Vas-y. Petit chapitre rapidement. Et ça mongolise. C'est terrible. C'est terrible. Donc, c'était là. Je vais essayer de fouiller par ici. Il y a ça là, je peux pas l'ouvrir. Non. Ça, ça sent les embrouilles. Ah. Ouais, mais si je peux pas aller là. Ah! Ouais, je suis baisé. En fait, j'ai besoin d'une clé là. Attends, je suis où? Je suis paumé, ça y est. Putain, cette carte. Je suis là. Analysons la situation, j'analyse. C'est compliqué là. Il faut absolument que je passe là-bas, sans me faire baiser. J'ai l'impression que c'est impossible, je peux pas passer là. Si ce n'est en passant en force, mais j'ai pas d'arme. Qu'est-ce que ça m'a dit? Vérifier numéro de chambre, trouver une arme. Mais là-bas, je peux pas y aller. Comment je peux atteindre cette zone? Je sais pas si je fais bien de commencer par cet objectif. Attends, je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Est-ce que je peux juste passer hein, sans me faire baiser? Est-ce que je peux juste me barrer? Je fais ça, je fais ça. Je fais ça, ça passe? Vous y croyez? Ah non, c'est fermé! Ah, mais c'est de la merde! Oh putain! C'est compliqué. C'est compliqué. Bella, are you here? Je
Je peux pas atteindre le... C'est impossible. Là, je peux pas y aller. Donc, je suis baisé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment me sortir de ce traquenard? Il faut juste que je les... Okay, d'où tu sors toi? Mais putain! Mais d'où tu sors? D'où tu sors putain? Il m'a oublié, pas du tout, pas du tout, jamais de la vie. Est-ce que je peux ouvrir ces portes là? Non, jamais. Ça, est-ce que j'ai moyen de les enfermer dans un petit coin? C'est pas une mauvaise idée ça. Ah, est-ce que je peux prendre l'ascenseur? Ah mais il y avait un ennemi dans l'ascenseur, on est baisé. Ça sent la mauvaise idée. Ah non. Et il se passe quoi si je prends l'ascenseur? Il me mène où l'ascenseur? Ouais non, ça sert à rien. Oh là là. Vas-y, je l'utilise pour voir. Ah, je peux l'utiliser. Ah non. Ah, je suis enfermé. Oh, super. Ah bah, GG. Putain, la pire chose que je pouvais faire, je l'ai fait. Je me suis enfermé dedans avec un ennemi. Putain, mais c'est abusé! Putain, le pire truc possible, je le fais. Je m'enferme dans l'ascenseur avec un ennemi. Dans 2 mètres carrés. Putain. GG. GG, GG, GG. Ça y est, le jeu nous a touillé. Le... Non, mais Zack et Wiki, c'est mon petit kiff. Ah si, on avait dit Zack et Wiki, on en avait discuté. Mais tu as fait un walkthrough, Lazer, c'est que le jeu est bien. Fais pas le fou. Moi je pense, j'ai cru en toi. Ah bah voilà, je suis baisé. Tu as fait le let's play. Disponible sur la Dailymotion. Putain. Cliquez. Mais putain! Est-ce que je peux juste lui tabasser la tête? Lui tabasser la tête! Ah non, on peut faire ça? Ah non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Échec de la mission! On va pouvoir recommencer à compter le nombre de morts. J'aurais dû mettre un petit compteur. On est reparti. Et quand t'as pas... En fait, quand t'as pas d'armes dans le jeu, c'est la merde. C'est complètement la merde. Tu peux rien faire. Il est où l'ennemi? Est-ce que je peux juste passer? Ah non, il est là. Ok, d'accord. J'ai pas paniqué, je suis resté serein. J'ai besoin d'une arme, en fait. J'ai juste besoin d'une arme. Est-ce que j'ai moyen de récupérer une arme quelque part dans le jeu? Comment on est censé faire ça? Et d'où il m'a vu? D'où il m'a vu? Je suis hyper loin, putain! Il cherche les embrouilles! Oh, il cherche les embrouilles. Est-ce que je peux récupérer une arme, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'ai besoin d'une arme. J'ai besoin d'une arme, d'un truc. D'un truc pour tuer. Sinon, rage quitte. Là je peux rien faire. Là on est... Attendez, si ça se trouve il y a une arme ici. Non, il y a rien. C'est bizarre cet endroit. Ah, il y a une arme là. Non, c'est pas une arme ça? Non. Putain!
J'ai moyen de descendre plus? Ah non, je peux pas descendre plus. Je me retrouve ici. Again. Again! Oh bah tu m'as vu, tu m'as vu! Calme-toi! Il m'a vu! Est-ce qu'il m'a suivi? Est-ce qu'il m'a suivi? J'ai comme le sentiment que oui. La fuite! La fuite, la fuite! Est-ce que vous croyez qu'il vient jusque-là? En fait, si je pouvais les enfermer, ça pourrait être une bonne situation. Une situation. De bonne aloi. Putain, ça marche pas du tout. Qu'est-ce que quoi? Putain, j'ai tenté des choses. J'ai tenté, hein. On l'a vu, j'ai tenté. Ah, il est là! Il me suit? Attendez, si je l'enferme, il se passe un truc. On fait du gameplay là! On fait du gameplay! Est-ce que vous pensez que je fais ça? Ça? Je ferme la porte. Ferme la porte! Chut, je vais tout casser, je vais tout casser. Mais y'a pas moyen de fermer ces portes de chiasse! Mais ferme la porte! Je peux pas la fermer de l'extérieur, c'est ça? Oh, c'est de la merde! Ça m'a tué? Ça m'a tué? Ça m'a tué. J'ai pas d'idée pour optimiser. J'ai pas d'idée pour optimiser mon parcours. Putain, mais j'ai 25 000 objectifs. Mais je sais pas comment en faire un seul. C'est un truc de ouf. C'est un truc... Attendez, non, non, fais pas ça. Tourne pas cette caméra de malheur. Parce que déjà, le bureau du directeur, là, je peux pas y aller. J'ai aucun moyen d'aller dans ce bureau, là. Je suis baisé. Je peux juste pas y aller. Donc, je peux rien faire. Téléphoner depuis, je peux y aller, mais je me fais baiser. Ah oui, tout à l'heure, j'y suis allé. Et je me suis retrouvé bloqué. Parce que les ennemis m'ont tué. Donc là... Attends, assommer le Shibito cerveau. C'est quoi le Shibito cerveau? Déjà, il faut que je trouve une arme. Il faut que je trouve une arme. En fait, ma priorité, c'est de trouver une arme. Ah mais j'ai des feux... Mais putain! Putain, personne me l'a dit, j'avais oublié. J'ai des feux de détresse. Il m'avait dit quoi d'ailleurs? Putain, c'est vrai qu'il m'a dit feux de détresse. Mais en fait, je devrais... Mais putain, j'ai oublié que j'avais les feux de détresse! Mais vous suivez pas aussi? Ah, du coup c'est ça. J'y vais, je les utilise et c'est bon. Paf! Est-ce que ça a une utilité? Enfin, j'ai l'impression que ça fait trop de la merde en plus. Ah si, c'est pas mal. Ah si, ça me permet de passer, c'est ça? Ah mais c'était ça depuis le début! Ah non, je vois rien. Ah, je suis baisé. Ah non, en fait, ça m'aide pas du tout. Ok, d'accord. Composer le numéro, t'es sérieux? Composer le numéro! T'es sérieux? Mais je le connais pas le numéro, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est... Composer le numéro. Putain, téléphone depuis la salle de préparation. Et je téléphone à qui? Putain, mais ce jeu. Mais c'est les embrouilles, hein. Les embrouilles intersidérales. Les embrouilles. C'est le jeu des embrouilles, putain. Est-ce que je peux prendre l'escalier qui est là-bas? Histoire d'aller faire un tour par ici. Ah oui, je peux. Ah, je peux me balader, là. Je peux me balader dans cette direction, là. Y'a pas des armes par ici? Bon, déjà, les feux. C'est quoi déjà? Les feux de détresse. C'est utile. Par contre. Mais attends, mais je peux rien faire ici. Pourquoi ça m'a servi de venir là? C'est
va bien. Les embrouilles. Les embrouilles. Mais je suis déjà venu 25 fois là, pourquoi j'y vais à chaque fois? Oh le mec, il retourne toujours là pour rien. Bon. Si je fouillais tout, comme ça, je serais fixé. Là, non. En plus j'ai déjà fouillé par ici. Là non. Là je descends, je me fais baiser. Là. L'ascenseur, mais c'est peut-être juste l'ascenseur que je dois utiliser. Aussi, moi je me prends la tête. Putain, vas-y, utilise l'ascenseur. Soyons lucides. Donc. Je suis au 2. Donc je descends au 1. Non, je vais descendre là. Attendez, j'ai pas appuyé sur le bouton tout en bas. Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Tout à l'heure j'ai tenté, mais c'était le mauvais moment aussi. Ah mais attendez, c'est bien là. Ça sent les embrouilles. C'est ce qu'on voulait. Ça sent les... Ah non! Mais d'où elle sort elle? Putain la meuf. J'en ai combien des feux de détresse? Oh, je l'ai balancé dans l'ascenseur. Meilleure idée. Oh, ils sont 25 000. Oh, bah oui. Ah bah plus. 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 Je sais pas ce que je fais. Hein. Mais attendez, mais les feux de détresse, ils vont jusqu'où, là? Oh, ça se propage. Je peux refermer la porte, là? C'est bon. Oh, c'est bon, on avance. Je sais pas si c'est la bonne... des solutions... Putain, si je trouve une arme, je tue tout le monde. Je tue. Elle m'a vu. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Qui m'a vu? Qui m'a vu? Mon écran, mon écran. Oh, il m'a volé mon écran. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est, je sais pas où il est, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Putain, ça te met la pression. Je suis bloqué là. Ok, je suis bloqué. Ah, il est là. Il m'a vu. Attendez, est-ce que je peux les envoyer à l'infini? Ah, mais je peux les balancer à l'infini. Ah, mais attendez, je peux en envoyer 25? T'es sérieux? Ah oui. Mais j'en ai à l'infini. Mais le jeu m'a pas dit! Ok, donc ça... Déjà, c'est une bonne nouvelle. Là, rien du tout. Là, des ennemis. Ah! C'est une arme? J'ai vu un truc. Oui! Putain, j'ai trouvé une arme. J'ai trouvé une arme. Alors là, on est sauvé. Ah, j'ai plus de feu de détresse. Bon bah, GG. J'en avais... Mais il m'a pas dit le nombre que j'en avais. Merci, merci le jeu. Il m'a pas dit le nombre que j'en avais. Ah mais il faut que je détruise ça en fait. C'est ça. Putain, je viens de comprendre. C'est ça le cerveau. Je l'ai tué. Mais putain, oui. La lucidité de cet homme. Putain, c'était ça. Il fallait que je... C'était ça, le machin cerveau. Mais c'était tellement lucide. Oh, j'ai pas été intelligent sur ce coup-là. Putain, j'ai été bait. C'était tellement limpide. C'était tellement logique. La cinématique m'a montré cette saloperie. Du coup, c'était... Je tue. Vas-y, tu dégages. Je prends l'ascenseur. Non, mais pour le coup, c'était bien, là. Pour le coup, j'ai beau avoir galéré, c'était bien. Je vais là. On s'en est sorti de façon hasardeuse. Ok, d'accord. Donc ils sont partis là. En effet. Ça les a fait décéder. GG. Par contre, je sais toujours pas. Ah, je dois faire 304, c'est ça? Serait-ce ça le but du jeu? Putain, le jeu. 3.
0. Quatre. Ah, c'était pas ça alors. C'était pas ça du tout. Est-ce que je dois trouver le numéro par moi-même? Est-ce que je dois chercher le numéro? Téléphoner depuis la salle de préparation. Mais téléphoner à qui? Téléphoner à qui? Putain, t'es en train de me dire que je dois fouiller pour chercher le numéro, c'est ça? Non. Me faites pas ça, hein. Attends, ça doit être tout à côté. Et un tableau. Je suis pas sûr de ce qui se passe. Ouais, mais apparemment c'est pas 304. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je suis censé l'avoir? Archive. C'est incompréhensible ça. Ah non, c'est les archives, c'est quoi? Ah ok, les armes. Ah mais il y a tant d'arbres que ça dans le jeu. Oh, c'est Dark Souls. Et ça, c'est quoi? Ok, il ne se passe rien. Ouais. Là, je dois trouver un numéro? Ou vraiment, c'est du pif? Ou alors, c'est 304? Bon, je le retente pour voir. Ah là, ça ressemble vraiment à un survival. Cherche, débrouille-toi, les petites énigmes. Attends, si je fais un truc au pif pour moi. Ok, ça fait autre chose. Ça fait que j'ai dû composer un mauvais numéro. Donc ça veut dire que 304 correspond à quelque chose. Mais c'est peut-être que c'est juste ce téléphone-là, 304. Il aurait fallu que je check les autres... Ah, putain. Ah, mais putain, mec. Mais si, c'est vrai que j'ai... Putain, j'utilise jamais la vision Shibito. Le principe du jeu, je le fais jamais. Mais je suis bête aussi. Oh, le mec. Mais oui, il m'a dit vérifier numéro de chambre. C'est ça, il faut que je fasse le numéro de la chambre. Donc tu vérifies le numéro de chambre avec Seigo Saiga en vision Shibito. Ah, mais il faut faire ça. Putain, mais j'oublie que tous les persos peuvent faire ça. Putain, tous les persos peuvent le faire. Ah, mais voilà, c'est ça. Mais c'était juste ça. Oh, le mec. Attends. J'étais sur le bon. Ever since I arrived in this place, it's been one bad thing after another. The sacrificial ceremony Melissa and Sol saw. I wonder if that has something to do with all this. A sacrificial ceremony? Did the first matter of anything? No, Bella and I were waiting in the car when it happened. They said that a woman was killed and another girl was about to be murdered. Merde. But someone came in and... Ah! No. So you weren't there. I see. That a relief that you and your daughter didn't have to witness that. Ah, du coup il veut... Ah, c'est bon, 201. Putain, mais c'est pas mal ça. Putain, mais c'est très... Ah, ok, d'accord. 201. Ah, mais c'est bien pensé. C'est juste que j'oublie que... Ok. Ah, oh, j'avais oublié que c'était ça le jeu. Moi j'étais là. Ok, d'accord. Ça y est. J'ai compris le jeu. Putain, on a compris le jeu. On a compris comment ça fonctionnait le jeu.
Un génie. Ah, c'est ça. Ah, c'est tout? Ah, c'est abrupt. What are you doing in this village anyway? I don't understand what you mean. Dorilla. Help me! Where's Sam? He's there, isn't he? Melissa! Is that you? Ah bah comme par hasard. The Irav's Body Church. You know where this is? Yes. It looks just like the church built in Karwari. It's just down the road. That way. I have a few things I must take care of. Let's go. Okay. Thanks for all your help. We'll make it through this. Ah bien sûr, se séparer est toujours une bonne idée. Il a un fusil, il aurait pu nous aider. Quoi? What? Mais vous êtes sérieux? Comme ça? Bam! Sans Non mais t'es sérieux? Sans déconner. C'est d'une... Putain, c'est d'une violence. Ok, d'accord. Ah, oh, ça m'a... Putain, c'est d'une violence. D'accord. Ah, d'accord. Ah bah, ok. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, merci. J'étais... Non, mais j'étais pas prêt, moi. J'étais pas prêt, putain de ça. Non mais j'ai cru que c'était fini en plus. Putain, ça m'a choqué. Franchement, j'ai jamais vu ça dans un jeu. Un personnage comme ça, si brutalement, qui se suicide. Putain, c'est d'une brutalité. C'est... hallucinant. Hallucinant. Tout comme ça, sans... je sais pas, il y a aucune raison qu'à ce moment-là, ça se passe comme ça. Putain, ça m'a pris de court. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Ok. C'est hyper couillu. Franchement, c'est hyper inattendu et hyper... Je sais pas s'il va revenir parce qu'apparemment, les gens reviennent à la vie. En tout cas, le personnage du début qui a pris une balle dans le cœur est revenu. Je me demande si c'est une entourloupe et il va revenir. Mais en tout cas, ça fait un choc. Putain, si je m'attendais à voir ça... ça m'a fait un choc. Ah non, mais me dis pas que ça dure 10 plombes encore, là. Je pensais que le chapitre était fini, là. Oh, je suis pas prêt, il faut que je me remette de mes émotions, là. Putain, attends, suivre le Shibito pour savoir... Où elle met la broche. Ah, c'est tout? Ok, bon, je vais la suivre. Elle est où, la meuf? Je l'ai perdu de vue, déjà. De base, je l'ai perdu de vue. Ah non, c'est pas là? Merde! Attends. Ça y est. Où est-ce qu'elle est? Mince, je l'ai perdu.
Attends. Cette carte qui m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Hey, mais j'ai pas d'armes, j'ai rien. Je vais me faire tuer en deux secondes. Oui, parce que tout à l'heure j'étais là avec mon fusil. Oh, ces bruits. Oh non, mais le jeu est de plus en plus oppressant, angoissant. Ok, j'ai fait de la merde. En fait, je devrais juste crever pour recommencer, histoire de suivre. Tue ! Attends, on va se suicider. Ça me tue ? Ça me tue ? Ah, ça me tue pas du tout. Ah, si. Histoire que maintenant que je sais qu'il faut suivre le démon. J'ai beau réfléchir, je vois pas d'autres jeux qui à un moment donné tuent un personnage. Avec un suicide. J'ai souvenir de FF13 qui fait style. D'ailleurs ça m'avait marqué. Le personnage est à deux doigts de se suicider, mais en fait il le fait pas. Et je m'étais dit putain. Si jamais il s'était suicidé, ça aurait été très très fort. Très très marquant. Non. Putain, au niveau, en fait, c'est hyper bien pensé parce que tu te dis, c'est comme le personnage qui semble le plus fort et le plus résistant et le plus armé. Du coup, à aucun moment tu peux... envisager ce qui se passe. Donc là pour le coup c'est très ça te prend un revers. J'ai suivi la meuf. Oh, le jeu a titillé ma curiosité en deux secondes. Il n'a pas fallu longtemps pour que ça titille. Là ça m'a titillé. Je dois continuer à la suivre. Putain, l'ambiance sonore elle est quand même dingue. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu un truc tomber. Hein. Ah! Les embrouilles. Non, non! Ils m'ont vu? Qu'est-ce qu'elle fait? Lancer un feu de détresse dans le puits. Mais j'ai pas de feu de détresse! J'ai pas de feu de détresse! Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas de feu de détresse! Mensonge! Trahison! Tour de guet. Lancer un feu de détresse dans le puits. Là, il y a un puits. C'est ça, hein, c'est le puits. J'ai pas de feu de détresse. J'ai pas le feu de détresse. Où est-ce que j'étais censé récupérer des feux de détresse? S'il me dit ça, c'est que j'étais censé en avoir. C'est bizarre. Il se passe des trucs, hein. Au niveau de l'ambiance, il se passe des trucs.
Ok, je sais pas où je trouve les... J'ai raté un truc. Feu de détresse. Où est-ce que je trouve des feux de détresse? Dans la maison? Il me le dit pas, ça. Ah, ils sont... Ok, j'ai été lucide. J'ai été lucide. Il y en a combien? Il faut que je retourne en dessous. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Putain, c'est pas mal avancé ça encore. Ah ok, il faut que je retourne en bas. Comme ça, je peux récupérer. Ok, ok, ok. Ah, il faut que je me magne alors. Il faut que je me magne. Allez, là, je suis baisé, c'est ça. J'ai pas été assez vite, c'est ça que t'es en train de me dire le jeu. Commence un autre. Paf. C'est bon, on va s'en sortir. Oh, cette petite ritournelle qui te met des ambiances là. Oui, ça déconne. Je le vois, je sais pas d'où ça vient, mais ça déconne. Vue du passé. Je vois l'internet qui fluctue. Encore une fois, c'est OBS. Hein. J'ai l'impression que c'est OBS qui déconne aujourd'hui. Je le vois. C'est dans le rouge. Là, on est dans le rouge. Je pense que ça doit dropper à mort. Et il est possible que ça crache et que ça reparte. J'attends que ça se stabilise. Ah oui, mais ça part en vrille. Ouais, je pense que c'est ma collection. Est-ce que... Il faut refresh aussi. C'est mort ? Ouais, c'est la connexion. Je pense que la connexion fluctue. Parce que là, ça passe du rouge au vert. Ah, vous devez pas m'entendre. Ah, c'est terrible. Bon, j'attends que ça stabilise. Ah, on m'entend ? Ah, mais faut le dire tout de suite. Mais c'est peut-être une mise à jour d'un truc que je... C'est possible parce que la connexion est en train de... OBS me dit, ça passe du rouge. Mais je sais pas ce qui me... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas, il y a un truc qui tourne, mais... Qu'est-ce que c'est ? J'ai aucune idée. Windows m'aurait prévenu. Ah, c'est bon, je crois que c'est revenu. Mais peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un truc Windows. J'ai aucune idée de. Ou alors c'est OBS qui fait des mises à jour ? Qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai rien. Non, mais il y a rien, c'est bizarre. Ou alors. Non, mais c'est peut-être juste la connexion qui. J'attends un petit peu. On va attendre un petit peu, quelques minutes. Je vais regarder la box. Ouais, on dirait vraiment que c'est un truc qui se télécharge. Mais je sais pas ce que c'est.
Non, y a rien. Y a rien de malencontreux, c'est bizarre. Ah, je crois que c'est bon. Non, ça passe. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Mais... Après, c'est peut-être que OBS qui déconne. Voir c'est Discord qui fait des trucs. J'ai laissé Discord. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est mon stream qui tourne à côté? Non. Je vais checker. Hein. Je vais checker si jamais il y a un truc, je vous le dis. Ouais, non. Sinon, je fais un reboot. Ah! Ça c'est stable. Ah, peut-être pas chez vous. Ah, oh, putain! Putain! Bon, j'attends et si ça perdure, je fais un petit reboot. Là c'est rouge, là on est dans le rouge, on est dans le rouge, OBS me dit on est dans le rouge. Je vais refaire un petit check. Ouais non, j'ai rien qui tourne de toute façon. À moins que Windows fasse des trucs que j'ai pas demandé. Il est possible que Windows aussi fasse des mises à jour sans qu'on dise rien. Et ça c'est chiant. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai... Le Never Give Up. Ah, je sais. C'est bon. J'ai trouvé. Putain, mais c'est... Abusé. C'est bon, j'ai... Oui, c'est bon. C'est iTunes qui télécharge. Oh, c'est le foutu iTunes qui fait les mises à jour des podcasts. Du coup, il a téléchargé tout seul alors que j'ai rien demandé. Putain. Il était en train de me télécharger les podcasts. De mettre à jour. Bon, c'est bon, j'ai trouvé le... Maintenant, je sais. Je sais si jamais... Je saurai d'où ça vient. Ok, c'est iTunes qui télécharge. Oui, non, mais c'est... J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé le... L'hémorragie. L'hémorragie, c'est à iTunes. Bah oui, mais c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. En même temps, iTunes, normalement, il ne télécharge pas sans que je lui demande. Je sais pas pour quelle raison, il s'est dit, tiens, c'est le moment, je vais télécharger. On va mettre à jour les podcasts. Voilà. Putain. En plus, le jeu, c'est bien, là. Ça devient intéressant, il se passe des trucs. J'étais dedans, là. Il s'est passé un truc. J'étais dans le jeu à fond. Putain. Ça a été... ça m'a baisé. Ça m'a baisé mon... Oh, pour la peine, je vais aller éteindre la lumière. Pour la peine. Comme ça, ça m'a fait me déplacer dans le... dans l'univers. Là. Oh, ce petit faciès. Dans le noir. Oui, oui. On va rester comme ça. Là, on est pas mal. Ah oui, c'est parce que c'est très lumineux l'écran du jeu là. Du coup, on me voit. On voit le. C'est bon, c'est reparti. Du coup, on en était là. On se remet, on se refocus. Vu du passé. Amana, a la faculté de voir les souvenirs associés à un endroit. Si vous êtes proche. Donc là, c'est un truc qui est spécifique à elle. Parce que le truc du de la vision. Du démon, je pensais que c'était unique à un personnage, mais en fait tous. Ça, c'est pas clair. Si vous êtes proche de l'un d'eux, vous verrez un effet visuel et ressentirez une vibration. Ok, si vous trouvez un endroit où subsistent des souvenirs, utilisez la vision Shibito pour voir le passé. Ok. Donc ça, c'est vu. Enquêtez sur les souvenirs du passé, trouvez une carte du passé. Donc si je fais ça... Il se passe rien. Apparemment, c'était pas ça. Il faut que j'appuie, il faut que je clique. Rompre le saut, quoi ?
Oula, une énigme ? Ok. Oh, le jeu devient fou. Il y a une baleine. Moi, je vois une baleine, une sorte d'arbre et une salamandre. Et qu'est-ce que veut dire rompre le seau ? Putain, c'est pas clair. Est-ce que je dois les mettre en face ou je dois pas les mettre en face ? Putain, c'est incompréhensible. Je comprends rien. Quelque chose cloche. Ah, mais j'ai pas le temps de lire. Quelque chose cloche ? Trouver une carte du passé. Ah, ok, c'est qu'il faut que je trouve un truc du passé. Attends, c'est ça en fait. Ah, je vais voir dans le passé ce qu'il faut faire. Ok, c'est ça. Soyons lucides. Je commence à devenir lucide dans le jeu. Mais j'ai pas de lampe torche avec elle. Ramasser bouteille. Attends, il y a un truc là. Okay. Ça veut dire qu'il y a un endroit ici où je peux activer le passé. En tout cas, c'est pas là. C'est pas là. Il m'a dit activer vibration des trucs. Donc là, c'est pas là. Je suis paumé là. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de repartir ? Je vois rien du tout ! Ils sont pas morts les gens qui étaient là. Je vais me faire... Je vais me faire embrouiller. Ils sont partis ? Ah mais ils sont partis juste ! Ok. Ah c'est là ! Il se passe un truc, il se passe un truc. C'est ça? Non, il se passe rien. Ah non, c'est juste qu'il y a un ennemi pas loin. Ah! Ah, c'est ça! Enquêter, il m'a mis enquêter sur la maison. Étudier les souvenirs autour. Ok, c'est pas clair du tout. Personne. Ouais. Enquêter sur la maison de Mitamura. Étudier les souvenirs autour du portail. Quel portail ? Quel portail ? C'est ça ? Ah ! Non, c'est la même chose. Mais ça m'indique quoi, ça ? Ça m'indique que je dois aller là-bas, c'est ça ? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il faut que j'aille à la maison de Mitamura. Ah, il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Quêter sur la maison de Mitamura. Étudier les souvenirs autour du portail. Oh là, le jeu devient... Oh, j'ai cru que ça prendrait pas longtemps. Je me suis lancé dans une épopée. Je me suis dit, vas-y, un petit chapitre en plus. Et c'est toute une aventure. Où je vais là? Ok, je me casse. Je me casse. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Ah non, mais ils sont beaucoup trop. Putain, les embrouilles. Elle est où la maison? Elle est pas là. Il faut descendre, c'est ça? Ah si, mais elle est là, je suis bête. Elle est juste là. Putain, je vois rien avec tout ce qui est écrit. Ah putain, elle était là. C'est vrai? Et là, je vais me faire embrouiller par tout le monde. On va se faire embrouiller par tout le monde. J'y suis, mais je me suis fait embrouiller, putain. Dégage. Nom d'une pipe. C'est bon, ça tue direct. Mais vous êtes combien? Oh non. Non.
Salut, salut. Ah non, elle est pas morte. C'est quoi? C'est quoi? Une dague? Ah, c'est mieux! Oh, j'ai une dague! Ok, donc maintenant, je suis là. Est-ce que j'ai moyen? Attends, c'est quoi la touche déjà? Oui, c'est ça. Ah! Trouver le seau dans le cimetière. Waouh! Mais ça y est, on mène l'enquête! C'est pas mal ça, hein? Merde, c'est pas... Oh là là, ça y est, je m'embrouille dans les boutons. Je m'embrouille dans les boutons. J'aime bien cette zone. Cette zone, franchement, sous l'eau. En plus, c'est pas mal fait. Il est où le cimetière? Trouver le seau dans le cimetière. Où est le cimetière? Il faut que j'aille là-bas aussi. Étudie les souvenirs. Ah oui, le cimetière il est là. Ah, il faut remonter. Il faut remonter pour aller là-bas, ok. Putain, il faut que je me repère dans le jeu. Putain, mais ce sens de l'orientation aussi! Qu'on n'a pas du tout. Oh, mais il y a des ennemis du cul! Oh! Il y a des ennemis. Donc on va se faire baiser. Mais non, mais ils sont beaucoup trop! Mais là-bas, je peux pas y aller. Ah si, je peux aller là. Ah, mais je pouvais aller là depuis le début. Ce portail vous semble familier. Paf. C'est bon, j'ai vu. Ah, il faut noter ça. Attends, c'était ça l'histoire du saut. Pas sûr qu'il faut noter, mais ah, je l'ai perdu. Je sais pas si c'est une importance de le garder en mémoire ça. S'il faut revenir activer le saut. Putain, j'en ai pas une foutue idée. Bon, on va dire oh là là, mais si ça se trouve je m'embrouille. Est-ce qu'on pense que c'était une idée? Trouver le saut dans le cimetière. Trouver le saut dans le cimetière. Ok, bon, j'y vais. C'est pas clair du tout. Il est là, cimetière? Oui, il est là. Ah non. Ah, ça a été lucide. Je sais pas si c'est utile. Peut-être qu'il y a un truc dans le cimetière que je dois trouver. Non. Ok. Non, c'est là. Attends. Faut que je me poste en fait au pile poil au bon endroit. Là. Ah! Sugyo Futatsugi. Ok, Tsugyo Futatsugi. À quoi ça m'a... Tsugyo Futatsugi. Pourquoi ça m'a montré ça spécifiquement? Futatsugi. Tsugyo Futatsugi. Et si je vais sur l'autre tombe? Non, là il se passe rien. Si?
Et là, c'est Takemoto. Ok. Mais on m'avait dit... Putain, c'est pas clair. Ah, il fallait... Ok. Ok, il fallait examiner. Moi, j'étais en mode, j'utilise ma vision. Mais il fallait juste appuyer sur examiner. Franchir le portail. Rompre le sceau. Ah! Rompre le sceau. Encore! Ah, mais là aussi, il y a un sceau? Ah non, là, il n'y a rien. Donc, c'est là. Donc c'est en fonction des symboles du centre, c'est ça? En fonction de ce qu'on a vu sur la porte tout à l'heure? Oh, j'aurais dû le noter. Wakuma, est-ce que tu... Est-ce que ça te... Putain, c'est pas clair. En même temps, je peux tout tourner. Putain, mais il y a... Oh! On les tourne boulet. Les énigmes. Putain, j'ai aucune idée là. J'ai aucune idée de... Takemoto. Koichi Takemoto. Ouais. Franchir le portail à destination du passé. Rompre le sceau de la salle du culte. Rompre le sceau du cimetière. Ok. Attends, il faut franchir le portail à Disney. C'est ça en fait, c'est ce que j'allais faire. Ça me paraît trop chelou là. Cette histoire. Je pense qu'il faut que j'aille. C'est où? C'est où qu'il faut aller? Ah oui, c'est la porte. Franchir le portail à destination du passé. Ouais, je pense qu'il y a peut-être pas besoin, c'est trop bizarre sinon. Il me dit d'aller... Il faut que je retourne au portail. Il faut que je retourne au portail. J'y retourne. De toute façon, il me dit d'y retourner, donc j'y retourne. Je vais voir ça. C'est pas clair. En espérant qu'il n'y ait pas moult ennemis qui pourraient me... mal paguer. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Ok, j'y retourne. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça me refait ça. Ça me refait le coup du... Non, c'est pas clair du tout. Hein. Vous n'arrivez pas à vous souvenir. Ah, c'est ok. Il faut juste que je mette les symboles qu'on vient de voir dans le souvenir au cimetière et là où on l'a vu tout à l'heure. Au cimetière et à la salle du culte. Mais la question est de savoir où je mets l'un et où je mets l'autre en fait. C'est ça la question. Putain, c'est les énigmes, ça y est. J'aime bien ça, les petites énigmes à l'ancienne, en mode attention. Ouais, il faut que je mette celui de gauche au cimetière et celui de droite, mais je sais pas, ou inversement. Il y a trois traits, la vague et les petits pistils. Les petits pistils. Trois traits, vague et petits pistils. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, ça bouge. Ah mais attendez. Ah, il fallait attendre. Et là, il dit l'arbre à gauche. Ah là là, mais attends. Il a bougé! Putain. J'attends voir ce qui se passe. Apparemment, ça fait des machins. C'est bon. Donc là, il dit quoi? L'arbre bizarre. Je fais un petit dessin. Le lézard. Putain, il a été trop vite! Le lézard en haut. L'arbre à gauche. Et l'autre, je sais pas.
Mais par contre, il me montre que à droite. Et c'est quoi le troisième là? Il y a un arbre. Oh, ça va trop vite. Il me laisse pas le temps. Il y a un machin bizarre là. Oh, le mec qui fait des beaux dessins. Il en profite pour faire des beaux dessins. Ouais, il y a un machin avec trois poils sur la tête. Il y a un machin avec trois poils sur la tête. Ah oui, du coup, ça correspond. Ah oui, ça correspond. Ah oui, les bestioles correspondent aux trois symboles. Les trois poils, les petits pistils et la vague. Attends, quoi correspond à quoi? Ah ok, je viens de piger. Voilà. C'est pas clair. Donc la salamandre, ça correspond à... Ah oui, ça correspond à la vague. Les trois petits pistils, c'est les trois... Ok, attends. Oh là là. Ce jeu qui nous demande de la réflexion. Et le bonhomme arbre, il correspond à ces machins là. Ah oui, il correspond au petit. Ok, c'est bon. Il correspond au petit pistil. Bon, c'est pas clair. C'est pas clair. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas clair du tout. Ah, le jeu, il a été abscon là. Une tentative. Mais je suis où? Voilà, c'est bon. Il m'a suivi? Non, il me poursuit! Oh non! Il m'a suivi? Il me suit jusqu'à... Non, ça... Attendez, y a pas des machins? Attends, là. Y a pas quelque chose, là? Je pense, hein. Je pense que je vais faire ça, je vais voir. Je vais ici. Ouais, je pense aussi. Mais attends, on va essayer. On va tenter. Ok. Mais le problème, c'est que je sais pas lequel correspond. Mais là, mon souci, c'est que je peux bouger deux machins différents. Donc ça a du sens de bouger celui du haut et celui du bas. C'est pas clair. Ou alors, il faut juste que je fasse correspondre. Pistil. J'arrive même pas à faire correspondre là. Ah oui, c'est qu'il faut. Oh là là. C'est pas clair. Mais ça change tout. Mais oui, mais les petits bidules. Mais attends, mais j'ai merdé. Attends, ça c'est bon. Non. Non, mais ça correspond à rien, ça. Mais j'arrive même pas à reproduire les machins. Attends, c'est pas si facile, j'arrive même pas à les reproduire. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. Là, j'ai les trois machins. Ah! Ah, c'est bon! Ah, c'est bon, ça c'est bon. Par contre, je sais pas. Ah, c'est bon! Fou! Oui! C'est bon, c'est bon. Celui-là, il est activé. Ok, donc celui-là. Il est activé. Franchir le. Ok, d'accord. Ah, c'est pas évident. Rompre le seau de la salle. Ok, du coup, il faut que je retourne là-bas. Maintenant, il faut que je retourne là-bas. Je sais pas si ça avait. S'il fallait faire un endroit précis ou si c'était vraiment. Ça marchait de toute façon.
Ouais, c'est ça, maintenant je fais l'autre. Mais par contre, il faut que je me repère, il faut que je me... C'est où? Ouais, non, c'est tout con. C'est tout con. Je me suis... Comme d'habitude, hein, j'ai eu envie de faire compliqué. Là où c'était tout bait. Et parce que le jeu, il te fait des trucs bizarres. Il te dit oui, le schéma. Mais en fait, c'est tout bête. Attends, comment j'y vais là-bas? Ah, il faut que j'aille à droite. Ah, mais il y a beaucoup trop d'ennemis dans le jeu là. C'est bon. Ah non! Tue! Oula, mais c'est puissant ça! Ça picote! Ça picote! C'est bon, on y est. Est-ce qu'il reste des ennemis? Non. Voilà, maintenant il faut que j'ai réussi ça. Parce qu'en fait, c'est pas si évident de reproduire les. Les symboles. Ah si, je crois. Mais putain, j'ai piffé! Oh là là! J'ai piffé direct le bon. En plus, tu dois pouvoir le faire sans, en piffant ici. Enfin, j'aurais pu débloquer les deux en piffant, mais bon. Du coup, faut que je reparte là-bas. J'ai ouvert le portail. Ah, bonsoir, Choncal! Comment tu vas? On va s'en sortir, on va s'en sortir du jeu. Ah mais je trouve vraiment là ce chapitre très très bien. Ce qui s'est passé, vraiment... il s'est passé des bonnes choses. Je trouve que le jeu propose des choses de plus en plus, de mieux en mieux. Ah le dernier, tu veux dire le Godzilla... Est-ce que tu parles du Godzilla japonais ou du Godzilla... Hop 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 hop. Du Godzilla US. Ah le Jap, je l'ai pas vu celui-là. Apparemment il est vraiment intéressant. Oui celui par le réalisateur de Evangelion. Chef d'œuvre. Et Evangelion. Je l'ai pas vu. Apparemment c'est vraiment... Il faut que je le regarde. Mission accomplie! Oui, on a accompli la mission, le beau jeu! Le beau jeu, j'espère qu'on a fini le chapitre. Sinon, ça n'en finit plus. Le GG. Me dis pas qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Boku wa Howard Wright desu, ok? Futari, isho, nigeru. Futari. Gambaru. Boku wa Howard. Futari, isho, nigeru. Miyako. Ok, Miyako, isho, gambaru. Non! Mais le jeu il est cul! Oh le jeu est cruel! Oh le cliffhanger! Non mais vraiment? Le jeu... là c'est ce qu'on a fait, le chapitre qu'on vient de faire, clairement c'est le truc le mieux qu'on a fait depuis le début. Vraiment ça commence à devenir vraiment bien. Ça part dans des directions inattendues, il se passe des trucs. Franchement, pas mal du tout. Vraiment, je suis... Là, au début, c'est compliqué, les tutos, machin. Vraiment, je suis agréablement surpris.